Je crois que tu ne viendrais plus. Ah, toi aussi. Mais tu sais, mon boulot est très prenant. Hein? Je te jure que j'envoie des vertes et des pas mûres. Oh, mon pauvre chou. Hey, c'est à qui le taxi? C'est à moi. Pourquoi? Oh, c'est urgent. Ma voiture m'a lâché. Je ne suis pas garagiste. Vous êtes con ou quoi? Je cherche un taxi. Mon frère, faut pas m'insulter ce matin-là. Tu as compris? Bon sang, mais je vous dis que je suis pressé. Ça, c'est votre problème. Passe-moi le sucre. Double tarif. Ah ah. Je finis mon thé rapidement et puis on part. Inspectrice, j'ai fait appel à ce monsieur, je sais tout. Ou plutôt, je livre tout. Je lui ai commandé 20 bidets. Et je lui ai fourni de la qualité irréprochable, inspectrice. Importée directement de la Roumanie du Sud. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle se plaint. Depuis quand il y a Roumanie du Sud et Roumanie du Nord? Depuis que tu ne te cultives pas. Oh, dis plutôt Roumanie du Sud du Nigeria, oui. Et toi, tu ferais mieux de te cultiver. Hein? Tu me prends pour une idiote, hein? Et quoi? Tu me connais? Tu sais que je suis? Et moi, tu me connais? Je suis madame. Et moi, je suis un haut commerçant de la République. Alors, Kati, je dois te parler. Tranquille. On ne doit rien savoir. Non, 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 attendez. Mais je suis catastrophe pour le pouvoir. Je suis entrée dans la douche parce qu'elle criait. Elle a crié parce que tu es rentrée dans la douche. Tu ne vas pas t'imaginer quelque chose, quand même. Il n'y a pas besoin de s'imaginer, Marc. Je vois et j'entends. Cathy, on ne doit rien s'imaginer. Tu me prends pour une imbécile ou quoi? Mais de toute façon, Cathy va prendre ses bagages. Je trouverai une bonne plus laide, tu vas voir. Dis-nous juste deux ou trois phrases. Ma main, voici ma main. Elle a cinq doigts. En voici deux et en voici trois. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le gros pouce qu'il se nomme. Regardez mes doigts travailler. Ouais. Chacun fait son petit métier. C'est parfait. On vous entend 5/5. On vous a braqué depuis 3 semaines et c'est maintenant vous déposez plainte. Non, hein. C'est pas moi qui dépose plainte. C'est lui qui veut déposer plainte contre moi. A vous nier les faits? Non. Ça a bien commencé comme ça. J'ai brandi un sac et je lui ai dit, vide ta caisse dedans. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a fini, je n'ai pas tardé, je me suis barré. Et alors? Où est la plainte dans ça? Il y a plainte dans ça. Il vous a dit que j'ai déposé sur son comptoir 10 000 francs, non? Il me doit 1 750. Ah. Je crois que la mère est capricieuse. Et je vous préviens, je veux un cœur très frais. Pas du surgelé, hein. Ok, ne vous en faites pas. Laisse-moi passer un coup de fil. Allô? Oui, c'est moi. J'ai un monsieur qui est là, qui est prêt à payer cash pour ce que tu sais. Il a besoin d'un cœur d'homme d'environ 60 à 80 kilos de groupe AB+. Bon, une seconde. Vous n'auriez pas un bonnet de bain? Dis-moi, c'est quoi ton groupe sanguin? C'est quoi ton groupe sanguin? Quoi? Ton groupe sanguin. AB+.